السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزول في اللون تول موند. صباح الخير على الجميع، نتمنى وقت تكونوا بخير وعلى خير. المهم صافا توجور سيت فيديو تروح لو سونس تاع الفوتبول ولا كوب لا كوب دو موند، كي بور موا اون كوب دو موند لي دي بلوز انديسيز. بابي حاجة، ريزولتا حاجة، statistique haja ou terrain haja. Ça a été toujours comme ça, sauf que cette fois-ci, les règles sont vraiment bafouées. Mais fait la histoire, la fait à la fin du match qu'il y a. Et à la fin, je parlerai de notre équipe nationale. Yanni, notre équipe nationale jouera demain son deuxième match contre la Corée, 21h heure française. Ou 8 heures algériennes, yani 20 heures heure algériennes. Et c'est notre dernière chance. J'y crois. Sinon, allez, je ne ferai pas le match, puisque c'est connu à l'avance. Je ne ferai pas le match. Bretton Woolley a le premier thème. Ça veut dire c'est une Coupe du Monde des surprises. Il y a eu toujours des surprises dans des Coupes du Monde, dans des compétitions footballistiques internationales. Mais cette fois-ci, par rapport à ce que j'ai vu, les Français qui te disent que, par exemple, l'Espagne, c'est pas la première équipe championne du monde sortante qui sort au premier tour. Sauf que, ils ont comparé ça, par exemple, à la France. L'idée de 98-2002, c'est le premier tour, etc. Mais moi, je parle de la composante. Yannès, l'Espagne, possession de ballon. Parce que là, il y a une goutte comme les statistiques. L'Espagne, elle a gagné ses 2 euros, Yannès, ses 2 coupes d'Europe et sa Coupe du Monde. La possession de balle, ben, jeu 20. Et elle gagnait avec des scores minimes, à part, bien sûr, la finale, l'Euro 2012. Elle était solide défensivement, elle était, il y avait un milieu, je pense, tellement technique, tu vois. Elle avait une attaque prolifique. Kingoulou prolifique, il y a deux possibilités. Ça veut dire, soit elle en marque beaucoup, soit elle est réaliste. C'est comme les Allemands. Le réalisme, il est allemand. Ça veut dire, tu peux les dominer. Par exemple, Diom Habba, Diom, une occasion. Deux occasions, ils ont déjà un but. Ce réalisme-là, cette prolification, elle est là. L'attaque, bchette. La défense qui tu fais qui nous comme on a Alba, on nous le Piqué, on nous le Ramos, c'est des noms, c'est des joueurs parmi les meilleurs joueurs du monde. Ça rien n'a changé. Mais ça n'a pas marché. Ça veut dire même le Del Bosque aussi, c'est pas un entraîneur, c'est un entraîneur qui a maintenant qui est champion d'Europe et champion du monde. Mais c'est un cas, mais c'est quand ils ne trouvent pas des réponses à cette déroute-là, ça veut dire que cette Coupe du Monde-là, il n'y a pas de loi. Vous avez vu les suicidaires. Les suicidaires, c'est plus un match. Quand tu vois la première mi-temps de 3-0, tu vas te dire les Suisses, ils vont peut-être revenir comme le match 3-1, 5-2. Et si l'arbitre n'avait pas sifflé à la fin 6-2, alors que je suis quelqu'un qui te dit que dans ce groupe-là, France, la Suisse, l'Honduras et l'Équateur, c'est clair que les Français, c'est les plus forts. Madji la Suisse, Madji l'Équateur, Madji l'Honduras. Ça ne sous-entend pas, les Français, c'est des outsiders pour la Coupe du Monde. Je continue à le dire. Le pénalty qu'a raté Benzema contre l'Allemagne, il ne faut pas le rater. C'est quand t'aimes l'Allemagne, ou quand t'aimes une équipe qui met le Chili, qui met le Brésil, pays organisateur, qui met la Hollande, ces choses-là, tu ne les rates pas.
Parce que le match, il sera une occasion par match. Donc, les joueurs, sur le papier, c'est pas important du tout. Je veux jouer à l'équipe d'Al Cameroun. Je veux l'équipe d'Al Cameroun. Mais comme deux joueurs, tu peux jamais les comparer, par exemple, à notre équipe nationale. Il faut être réaliste. Terre, Adna Ferrouli qui joue à Valence. Des joueurs qui jouent dans des championnats français ou là européens, dans des clubs moyens. Je dis que c'est des joueurs qui ont qui ne goulent qu'un niveau sur la moyenne, mais il y a des joueurs qui sont juste. Qui chauffe une table, l'Angleterre avec Sirouney et compagnie, je pense que ça va être Barra. Les Espagnols, Barra. Les Italiens, les Algériens aiment bien le football italien, les Italiens. Yimken Barra, parce qu'ils vont jouer leur chance la dernière journée. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a beaucoup de pays qui vont être sacrifiés au premier tour. Ça va être une compétition. Plus fort, moins. Tu ne gagnes pas à l'avance. Tu n'es pas donné gagnant à l'avance. Et si tu es donné gagnant à l'avance, la réalité peut être souvent autre chose, pour ne pas dire tout le temps. Les Suisses, t'es comme Michel. Allez, je bêche nos sols. Bêche nos sols comme Goul Kombli. Tu as des points forts. Toutes les équipes, même les équipes les plus faibles, un domaine où ils y excellent. Si, par exemple, tu excelles pas le domaine ou le matabaksh, domaine l'inta, tu excelles fait. Avec le match, ça veut dire que maintenant tous tes points c'est des points faibles. Les Suisses, c'est là, ils sont très rigoureux normalement, tu vois. Ils encaissent pas 5 buts, ils peuvent ne pas en marquer, mais marque le comme ça. Et tu marques 2 les dernières minutes sur des. On va te marquer le France à comme ça. Là, marque le France à comme ça. C'est grave. C'est que si tu tombes chez avec les Allemands. Les Hollandais, t'as la but. Les Von Persie, Robben, etc., c'est pas les Benzema, etc. J'ai Benzema ou Giroud, ça n'a rien à voir. Les Français, la Mecque de Bois, la loi. Il y a des droits télé, il y a de la publicité, il y a de l'engouement, il y a des trucs où il y a dit ben, oh, c'est politique aussi pour faire oublier, c'est comme si ça se passe chez nous, pour faire oublier au peuple les grèves. Des CNCF, etc. France a habsé le bar. Les gars, les bars, les bistrots, ils disent qu'ils ont vu le match. Qu'elle ne travaille pas depuis 3-4 ans. Donc, cette Coupe du Monde-là, tout le monde peut gagner tout le monde. Tout le monde peut avoir un bon résultat contre tout le monde. Viage. Pour les pays africains, ou les pays qui m'ont plu, bon, les Allemands, on les verra dans le deuxième match. C'est des gens, les meilleurs. Roche premier tour. Le Brésil, public, comme surtout le premier match, etc. Ils ont de très bons joueurs, le Brésil. Qui trouve la défense, c'est le Brésil. 15. Mais, ils peuvent encaisser. Quand tu vois Alves, Marcelo, Thiago Silva et les signes PSG, David Luiz. Mais ça te permet pas de ne pas encaisser. Quand tu vois leur milieu, ça te permet pas de dominer l'autre. Quand tu vois les attaquants qu'ils ont. Quand tu vois Neymar, quand tu vois Fred, ou là, bon, Fred, moindre mal, mais j'ai agent. Oscar, etc. Donc, Dgoul, d'ailleurs, Ramirez, t'as Chelsea. Dgoul, t'as l'équipe, t'as des trolls, t'as des gardes, t'as mais non, ils ont fait match nul contre le Mexique. Donc, les grands joueurs ne font pas automatiquement ou exclusivement une équipe qui est prolifique, que ce soit en attaque, etc., ou des résultats. C'est que, tes points forts, tu dois le jour J les appliquer à la règle.
Si tu es bon en défense et tu solidifies le milieu et tu sais jouer et tu joues comme tu le sais le faire et comme tu le peux le faire, on a fait des vidéos t'as les compatriotes sur le cas Jabou, le cas Brahimi. Oui, oui. Anna, c'est pas la défaite qui m'a fait plus mal. Parce que toute défaite te fait mal. C'est la façon d'être défait qui me fait mal. C'est que tu n'as rien fait pour ne pas perdre. Tu n'as pas utilisé les seuls atouts que tu as. C'est la fougue, c'est la jeunesse, c'est le football algérien. Parce que là, c'est pour ça que je dis, nous, on représente le football algérien. Cette équipe-là représente le football algérien. Le football algérien, il n'est pas connu pour se recroqueviller en défense. Mais j'ai dit, le football, t'es là. Si Djib 22 professionnels de l'étranger, ben, je l'ai fait de défense. Pour me dire, ah oui, هذا محل بطل بقرة parce que قالها لي واحد قال لي هذا محل بطل بقرة وكل شيء قلت له لا هذيك تاع لو هازار ان ريزولتا ان ماتش mais tu te qualifies en coupe du monde c'est pas un hasard ils ont cravaché dur ah oui ils ont marqué des buts il y a de la réussite dans le football c'est ça tu as de la réussite tu as un bon effectif tu fais d'excellents matchs tu fais des matchs médiocres etc et le hausala la quand ijabia تخليك توصل la coupe du monde ou تخليك توصل la coupe d'Afrique ou تخليك تنتصر في des matchs ça ne vient pas par hasard d'accord mais quand tu es dans une coupe du monde il y a le facteur coupe du monde les gens qu'est la pression t'as la coupe du monde qu'est la pression t'as le public qu'est la pression les ces joueurs lui il va jouer par exemple la Belgique et il a une tactique à suivre. Maintenant, on ne sait pas pourquoi ils ont joué comme ça. Ali Lozic, il dit ils n'ont pas démérité, etc. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai vu. C'est le chef de l'équipe. Ou elle est retraînée l'équipe. Ou elle est qualifiée. Ou elle est qualifiée. Et là, je vais dire que c'est Omar Bissa. Saadan, il a un bilan de 20 ans. Ça veut dire Saadan, il a le 82, parce que le 82, ce n'était pas Saadan. Il a le 90. Le 86. Ça veut dire qu'il a le match contre l'Irlande, ou le match contre le Brésil, ou le match contre l'Espagne. On a marqué un but pour le 86. Zidane Marcana contre l'Irlande couvre un coup de pied arrêté. Meshekil met la gestion des joueurs. Il y avait beaucoup de problèmes. En 2010, on n'a pas marqué de but. On a un match nul. Les joueurs, ça brûle Charles Blas Farouk Lahmar. Des joueurs, mais la bouche gala saison. Mais la bouche gala saison, y a ça. حافظ عليهم حتى للدني مقني جوست افون الماتش دو ليرلاند il annonce qu'il est inapte à jouer la coupe du monde. Vous avez vu la coupe d'Afrique bien avant. Les coupes d'Afrique Saadan avait les meilleurs joueurs تاع الجزائر de tous les temps. C'était Otmane, ما دار بهم والو. Il avait une équipe اللي فيها des cadres ils sont titulaires indiscutables malgré que le niveau. Ziani, en 2010, qu'est-ce qu'il a joué comme match pour jouer la Coupe du Monde? Matmour, combien de buts il a marqué dans le club Théo, dans l'Allemagne, pour qu'il soit titulaire. Zidou. Le bilan de Rabah Saadan en équipe nationale, c'est 2 points en 2 Coupes du Monde. Les matchs amicaux, on se faisait écraser. 3-0, 4-0, Serbie, la Coupe, l'Irlande, la Serbie. Les Girbac. Avec Ali Lozic, le constat présent, c'est que
tu as la rigueur, tu as la discipline. Ou me cache sentiment. Son bilan en Coupe du Monde, pour l'instant, c'est un 2-1 contre la Belgique. Avec un jeu qui n'est pas algérien, avec des attentes, il y aura la Corée. Si on ne bat pas la Corée, ça veut dire qu'on n'a rien à faire dans cette Coupe du Monde. C'est tout. Je ne dirais pas la même chose pour la Russie, mais si on ne bat pas la Corée, avec les parcs et tout, avec le parc où Galikane a fait Monaco, mais ils reviennent blessure, madame. Ils sont très rapides. Ils ont des joueurs techniques. Mais Makan. C'est tout. Les passes courtes, la défense. Maintenant, il a un choix à faire. Il a fait jouer les Medjani et tout. Il y a une autre paire qui peut jouer. D'accord ? Hellish. Bi Hasbara il Khas. Ou qui n'engage que moi. Hellish, m'chennez-vous le terreau depuis qu'il a quitté le Portugal pour aller dans un club anglais. Oh là là. Ou un club anglais, l'année d'avant, il a gagné l'Europa League. Ou là, il est arrivé en finale. Avec les Dempsey, l'American. Ils avaient une très bonne équipe. Fulham. Non, pas Fulham, oh là là. El Mohim. Kafel Bank, moi Kafel Bank. Il est revenu encore blessure. Aoudoula le Portugal. Et le Portugal, il était dans un club. Khir mli ra fi drouk. Hellish, et les automatismes d'un défenseur quand il joue pas deux ans ou la mais il abj daymen ou daymen blessé, c'est difficile de retrouver les sensations et de retrouver le Hellish qu'on avait. Donc Hellish, quand tu le vois avec Fellaini, Fettankaz, Mahoud le Trekoudan. La même chose que pour Bougra. Bougui est à 2010, c'est Bougra est à 2014. Je sais qu'il a, il est un, c'est un bon défenseur, mais championnat écossais, c'est mille fois mieux que le championnat qatari. Il est sans club, et je pense qu'il va signer en France. C'est un club en France. Mais c'est le plus le Bougra. Maintenant, tu as des choix. Tu as Belkalem, qui est plus solide, plus puissant que Hellish, mais plus lourd. Et maintenant, il faut choisir des paires. Pour, qui m'égoule là, que contrer la rapidité, la technique des Coréens. En attaque, il faut jouer l'attaque à outrance. Mais on ne peut pas faire ça. Tu marques des buts, etc. Et tu perds et la galbe. Adi ya riada. Kain khasar ou kain rabah ou kain match nul. Ou le match nul khasara. Hna drouk il la victoire. Si tu vois le l'Algérien, c'est un fin connaisseur. Donc si l'Algérien, il khouj ma yadrj. Il goul lak ala bou la galbe. L'Algérien gal lak ma wesh. L'ab 90 dqiqa f défense sa sahbi. Tu joues le nul alors que tu gagnes 1-0. Tu joues le nul quand tu es rejoint. Qui a égalisé le match? Nul gagne le match. Maintenant, Brahimi, Jabou et tout, c'est lui qui pourra l'attaque ou le milieu ou les distils. C'est à l'entraîneur de choisir. Mais non, on veut ça. Non, on veut du football. J'ai été très déçu. De quelques joueurs. Mais il y a le football, je peux dire, c'est tout. Et ça dans tous les domaines. C'est une Coupe du Monde, je vais vous dire, c'est vraiment un défi. Et ce que tu sais faire, tu l'appliques. Si tu n'appliques pas, حاجة صغيرة اللي تقد انت تعرف ديرها, غادي تعمروا لك الشكارة. لما كان الاسبان يا سيدي كاع راه فان جينيراسيون, ماني عارف واش راهم يهضروا على فان جينيراسيون. مي تي اون كيس با 5